Les réseaux sociaux, c'est des questionnements nouveaux. Ce qu'on a cherché à montrer aujourd'hui, c'est que le contenu et la data, la donnée des annonceurs est cruciale pour réussir. Ce qu'on a vu pour cette partie contenu, c'est que l'engagement, c'est une clé. C'est quelque chose qui est facile à obtenir. Si on commence par un engagement, on peut réussir derrière à convertir tout le monde à partir du moment où on adapte nos contenus, où on répond au code des réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qu'on a développé. On a vu aussi qu'on pouvait orchestrer les contenus de manière très large pour une marque sur un an, deux ans, pour gagner des parts de marché. L'autre point, c'est la data, c'est de se dire aujourd'hui, c'est difficile de répondre aux annonceurs quand on donne une cible à travailler sur une campagne digitale et à introduire dans notre mix média. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser la donnée, de créer des personas sur la data analytics des clients pour pouvoir ensuite les réinjecter sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, et travailler avec des bases d'audience extrêmement précises, très intéressantes et surtout très rentables. Et dans une dernière partie, on a fait un focus, un gros plan sur la mesure. On s'est demandé, est-ce qu'aujourd'hui on calcule bien nos investissements sociaux? Est-ce que dans une logique multilevier, on mesure bien les investissements en social? En réalité, non. On le sait, aujourd'hui, les outils analytiques ne fonctionnent pas forcément, traquent mal le social. Donc, on préconise d'utiliser des outils people-based en surcouche pour l'ensemble des activations.